Basier Damel, oui, ça va très bien. Je vais bien. Bonjour, entre filles, comment tu vas, ma chérie? J'espère que ça va. Hein? En tout cas, connectez-vous, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Touchami Sissé, comment va ma princesse? Ah là, je vois mes Amazones. Je vois mes guerriers. Je partage vite fait. Corinne Killa, bonjour. Bonjour, bonjour. On met les cœurs, je ne vois pas les cœurs. On met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. Ma Céline Goli, bonjour. On met les cœurs, s'il vous plaît. Sécurisant en mettant les cœurs. Vous savez quand même, quand on vient dans un live, on met les cœurs, on partage, on sécurise. C'est important. Oui. C'est un échange. Ma Céline Goli, bonjour. Je vois pas les cœurs, hein. Je vois pas les cœurs, je vois pas les cœurs. Ou bien c'est mon téléphone, je ne vois pas les cœurs, mes Amazones, mes guerriers. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Comme je n'ai pas de groupe, je préfère pomper des cœurs. Ah, entre filles, tu as créé les groupes, hein? Faut créer les groupes pour ta madré, hein? Comme ça tu parles. Pour créer les groupes, c'est facile, hein? Comme ça tu mets les cœurs là-bas. C'est important. Et tu mets les partages. Je le partage. Voilà, essayez de faire pour que nous puissions monter. Quand je vais là. Je mets ici groupe. Ah. Voilà. On partage, on met le cœur pour que la page puisse se débloquer, pour que Facebook ça puisse se débloquer. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Je vais voir ici si les cœurs passent, parce que ça me semble bizarre que je ne vois pas les cœurs ici. Je ne vois pas les cœurs, si bizarre. Hein. Voilà, les cœurs, s'il vous plaît. Ça signale. Fleur Doumé, la canne était. Mettez les cœurs, la canne, oui, la canne, c'est. La canne est bien terminée, vraiment avec. La coupe reste à la maison, comme on avait dit, et Dieu a fait de telle sorte que cette coupe-là reste en Côte d'Ivoire. Donc, essayez de partager, de mettre les cœurs, c'est important. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Bonjour, bonjour mes Amazones, bonjour mes guerriers, bonjour mes Gourmacha, bonjour ces personnes-là depuis le début qui me suivent, qui me supportent, qui m'encouragent et qui me portent trop haut. Je vous remercie. Je remercie en fait ces personnes pendant un mois. Oui, la fleur Doumé, j'espère que tu vas bien. Vraiment, partagez et mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, comme je vous dis. Ce n'est pas bon. Sur un live où il n'y a pas de cœur, ce n'est pas bien du tout. Donc, nous avons partagé un mois ensemble. Voilà, par rapport à la canne. C'était magnifique. Vraiment, je me suis mise là aujourd'hui pour vous souhaiter vraiment, pour vous dire merci. Merci à vous tous. Merci à ces personnes-là, ces Gumbacha, ces Amazones, ces guerriers-là, qui étaient présents à chaque instant que je postais des événements concernant la canne. Vraiment, vous étiez là. Vous avez mis des cœurs, vous avez commenté, vous avez donné la pêche. Vous vous rappelez bien de la vidéo où je parlais de
de Espoir King Solo, où j'étais assise par terre, oui, par terre, où quand on avait dit qu'on était éliminé et que j'avais vu, par exemple, à la télé, oui, une information qui disait que non, si, seulement si, telle personne avait, je crois, appelle, et marqué un but, ainsi de suite, j'avais eu espoir. Et j'ai fait même le même live ce jour-là. Je me rappelle bien ceux qui me suivaient étaient en train de se moquer de moi pour dire la madre, c'est pas possible. Il y a d'autres qui croyaient, il y a d'autres qui ne croyaient pas, ainsi de suite. Et c'est tout ça qui faisait vraiment la joie, le truc même de la CAN. C'est tout ça. C'était vraiment magnifique. Et on se rappelle, oh. Entre filles, vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez de ce jour-là, non? Où j'étais assise doux par terre. Où j'étais assise par terre pour dire donc que soyons, ayons espoir. Oh, on dit non que on n'est pas encore éliminé, que non, oh, voilà, on doit prendre les meilleurs troisièmes. J'étais en train de bavarder et puis il y a d'autres qui disent, la madre aussi. Si lui-là, si par exemple lui-là, si lui-là éliminé, si, il y avait beaucoup de si, j'ai dit mon cher, tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'on n'est pas encore mort, il faut toujours avoir l'espoir. Donc Dieu merci, tous ceux qui ont cru, même ceux qui n'ont pas cru, aujourd'hui on a pris la coupe, aujourd'hui la coupe est restée en Côte d'Ivoire et c'est, franchement c'est magnifique, franchement on est content, franchement on a la joie et puis voilà. Donc mettez le cœur parce que ça descend, au lieu que ça monte, ça descend, mais c'est pas bien grave, mettez le cœur, pompez le cœur s'il vous plaît. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais rentrer dans mon sujet. Je vous avais dit qu'on allait faire un live. Je rentre dans mon sujet. Et en même temps que je me préparais à faire ce live-là, je vois un peu, je ne sais pas si c'est un buzz ou je ne sais pas si c'est un arrangement entre le père d'Aloi. L'histoire du père d'Aloi. On n'a pas encore fini de se réjouir de la finale, de la coupe, de la CAN. C'est maintenant, on va jubiler. C'est maintenant, on va faire les à côté de la CAN. C'est maintenant, on va rigoler. C'est maintenant, on va parler. Vous sortez là, on voit le roi 12-12. On voit Père d'Aloi. On voit Apuchou. On ne sait pas si c'est un buzz pour nous distraire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un buzz pour nous distraire. Mais votre histoire que vous avez commencé avec le roi 12-12 là. Votre histoire que vous avez commencé là, avec, comment on appelle, Père d'Aloi là. Hé, hey, mettez ça au congélateur. Mettez ça au congélateur, laissez-nous savourer. Laissez-nous savourer. Oui. On a fait un mois de CAN. On était stressé ici. Pour manger même, c'est un problème. Pour digérer même, c'est un problème. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont eu la coupe. Maintenant où on va sortir pour faire des vidéos, pour rire, pour nous amuser avec nos followers, pour être contents, pour être fiers, de brandir pour dire que nous appelons les champions. Nous sommes nos champions d'Afrique. Nous avons 3 étoiles. On est fiers, on va commencer à s'amuser. Vous sortez quelque chose, on ne sait pas où là. Attention, hein, parce qu'on va vous allumer ici un à un. On va vous allumer ici un à un. Entre filles, il se passe que le père d'Aloi est sorti pour dire non que le roi 12-12 a fait des promesses qu'il n'a jamais tenues. Oui, les promesses qu'il n'a jamais tenues. Voilà, il allait dans, je sais pas quoi là, dans l'émission, il allait casser les papos sur le roi 12-12. On n'a même pas encore fini de tourner. Voilà, Apuchou qui fait vidéo live avec plus de combien de personnes en train de clasher le père 12-12. Je dis, en train de... chose, comment on appelle, clasher le roi 12, le père d'Aloi. En train de clasher le père d'Aloi. C'est-à-dire que vous là, on ne sait pas si on vous donne guerre pour camoufler certain nombre de choses qui se passent en Côte d'Ivoire, je ne comprends pas. Aujourd'hui, le président de la République a reçu les joueurs. Il a donné guerre aux joueurs. Il a donné l'art aux joueurs. Nous, on va se mettre maintenant pour commencer à tâcher un peu. On ne sait pas si on vous a appelé au Kéréfé pour vous parler, pour dire que créer un buzz,
pour que nous on puisse être distrait pour aller dans votre bus, pour ne pas bien suivre ce petit truc que nous on a vu là, pour pouvoir venir attacher un peu là. Et on a l'impression qu'on vous a donné Dieu pour nous distraire. Hein. Parce que moi je ne comprends pas. Votre histoire là où c'est écrit là, moi je ne comprends pas. Laissez-nous savourer d'abord l'histoire de la canne, laissez-nous savourer, laissez-nous digérer d'abord et puis amenez vos buzz là ailleurs là-bas. Oui, parce que si vous n'avez pas envoyé vos buzz là-bas, nous on va vous allumer. Parce qu'on ne vous a pas envoyé sur le roi 12. Quand vous êtes en train de ramper pour avoir vos millions, puis vous êtes en train de manger, il n'y avait personne là-bas. Quand vous avez sali votre honneur en rampant devant vos camarades garçons là, nous on n'était pas présents. On n'était pas présents. Vous avez pris vos millions. Si ça passait comme un mouf, dégagez de notre vie. À ça, je vous préviens, parce qu'on ne va pas vous laisser. Oui. On ne va pas vous laisser. Oui. Parce que c'est à cause de vous, là. Oui. Que les Maliens, là, nous insultent tous les jours. Oui. C'est à cause de vous, là. Vous ne connaissez pas votre place. Oui. Vous ne connaissez pas votre place. Dans le buzz qui se passe actuellement entre Mali et Côte d'Ivoire, là, votre nom est sorti dedans. Oui. Pour dire que eux, les Maliens, là, ils nourrissent. Oui. Ils donnent de l'argent aux Ivoiriens à cause de vous. Votre manière de ne pas vous respecter. Votre manière de vous humilier. Votre manière à cause de l'argent. À cause de. Il a dit, on va vous allumer. On va vous allumer. Hein? On va vous allumer. Hein? Moi, je ne rigole pas. Hein? Si vous ne vous cachez pas là-bas, vos conneries que vous faites là. Oui, on va vous allumer ici. Oui. Laissez-nous savourer la canne qui a duré un mois. Laissez-nous savourer notre canne. Oui. Votre buzz à la con à deux balles. Poussez serre-vous là. Poussez là-bas. Poussez, vous avez mangé vos millions là. Poussez, personne n'a mangé. Poussez, vous faites ce que vous voulez. Ne venez pas nous emmerder ici. Ne venez pas nous emmerder ici. Hein. On vous prévient. Hein. On vous prévient. Hein. Le roi 12-12 est son bon là. On vous prévient en même temps. On vous prévient. Votre histoire que vous avez commencé là. Oui. Votre buzz arrangement, c'est buzz. Ce n'est pas buzz. C'est vrai. C'est faux. Ça, c'est vous qui voyez mouf là-bas, vous tous. Mouf. Mouf. Parce que quand vous étiez en train de faire, certains Ivoiriens sont sortis pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas digne de vous. Vous les avez traités de tous les noms ici. Vous les avez traités de tous les noms. Si c'est gâté, comment? Le roi 12-12 dit, on a promis Tarsi de combien de millions de francs CFA. On n'a pas donné Tarsi. Il allait pour casser les papos. Ah, pour tu aussi sort de là-bas. Pour commencer à... poussez-vous là-bas. Hein? Poussez-vous là-bas. Hein? Ok. Poussez-vous là-bas. Buzz que vous êtes en train d'arranger pour nous distraire là. Poussez-vous là-bas. Poussez-vous là-bas. Ok. Mes Amazones et mes guerriers, partagez la vidéo là. On va parler de la canne. On va parler des éléphants. De la Côte d'Ivoire. J'ai dit. Oh. Hey. Bon, nous, on est en train de se frapper ici. Lou supporta. Non, ne riez pas. Hein? Ou une vidéo de Roi 12-12 là même. Ou une vidéo de Roi 12 là. Partagez la vidéo là. Pourquoi je dis Roi 12 là? Voilà, Apoutou. Non, Apoutou, c'est pas Apoutou. Vidéo de... Non, ça c'est pas leur live. Après, je vais venir. Dominique Bodédé. C'est ça, non? Bodédé, épouse d'Oumbia. Non. Parce que ceux-là, quand ils prennent Jay là, pour camoufler, c'est un homme de choses à faire. C'est comme ça ils font. On leur donne Dieu et puis ils viennent et camouflent. Si RM malin, on va les charger ici sur Facebook. On va les charger ici sur Facebook. Que non, le roi 12-12 m'a promis quelque chose, il ne m'a pas donné. L'autre aussi sort là-bas pour tout. Oui. Moi, je n'ai jamais clashé le roi 12-12. Le roi 12-12 m'a donné 10 millions pour que j'aille payer mon terrain de 20 millions. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est à cause de vous là. C'est à cause de vous là. Les Maliens, quand ils s'asseyent sur nous là, ils mélangent tous les Ivoiriens puis nous insultent pour déposer. Parce que vous-même, vous vendez votre dignité. Et puis vous venez vous asseoir devant les gens. Vous vendez votre dignité moins cher.
Vous vendez votre dignité auprès de vos amis. Vous vendez votre dignité. Vous vendez votre être. Vous vendez ça. Aujourd'hui, vous voulez vous asseoir. Oui. Poussez-vous, hein. Poussez-vous. Allez-y pleurer loin là-bas. Quelqu'un t'a promis, on t'a pas promis, on t'a dit mouf. Mouf. À cause de vous, on ne peut même pas parler. À cause de vous, on ne peut pas s'asseoir. Oui. Quand on parle, le Malien s'arrête et puis dit que oui, vos frères la rampent. Rampe devant notre frère. Il rampe comme ça. Est-ce que vous nous avez déjà vu, nous, Maliens, ramper? Nous, Maliens, est-ce qu'on rampe? On a une dignité, mais vos frères, à quoi d'argent, vous rampez? On nous insulte ici sur les panels. On nous insulte ici partout. Déjà, on est assis doux, hein? On n'a même pas levé la tête. Co, père d'Aloi, ce qu'on appelle le roi Drusus, ma père, il m'a promis, il n'y a plus, il m'a promis, je ne suis plus le roi Drusus. Qui t'avait envoyé? On t'avait déjà envoyé dans cet endroit. On t'avait déjà envoyé pour que tu ailles lécher les bottes de ton camarade. On t'avait envoyé. On t'a pas envoyé. Quand tu étais en train de faire, quand tu étais en train de nager, quand tu étais en train de te remuer comme un serpent bois derrière ton camarade garçon, quelqu'un t'avait envoyé. Le père d'Aloi, on t'avait envoyé. Personne ne t'avait envoyé. Tu avais des frères qui te disaient ce que tu es en train de faire là. C'est pas, on ne fait pas ça. On ne rend pas derrière son camarade. On ne quémande pas comme ça. On ne vend pas sa dignité. La dignité, c'est l'être humain. Dieu te donne une dignité. Tu ne vends pas ta dignité pour de l'argent. C'est impossible. Tu ne vends pas ta dignité pour de l'argent. Vous vendez votre dignité pour de l'argent. Vous vendez votre dignité pour vous nourrir. Vous vendez votre dignité pour tout. Aujourd'hui, quand tu viens t'asseoir là, pour faire vidéo, pour dire non que, père d'Aloi là, je ne suis plus à lui, parce qu'il m'a promis 2 taxis, 2 voitures, il ne m'a pas donné. J'ai dit, on va vous faire ça chaud ici. On va vous faire ça chaud ici. Parce que quand le Malien nous insulte là, c'est à cause de vous. Quand le Malien nous insulte là, c'est à cause de vous. C'est vous qui faites qu'il s'asseye et puis nous insulte, nous traite, c'est vous. Vous! Donc, la colère qui est dans notre cœur, le fait qu'on ne peut pas aller répondre aux Maliens, là, c'est sur vous-même, nos frères. Là. On va déposer ça sur vos têtes. Tout ce qui est dans mon cœur, quand je vois des vidéos des Maliens, et puis je dis je ne parle pas, et puis je suis assis droit, on va mettre ça sur vous-même, qui êtes nos frères. Là. On va déposer ça sur votre tête. C'est-à-dire on va soulever ça pour venir mettre ça sur votre tête. Où? Parce que vous, là, c'est vous qui nous avez vendu moins cher. C'est vous qui nous avez montré avec la main gauche. C'est vous qui êtes allé vendre votre dignité. Et puis, on met nous tous dans le même panier pour dire non, que c'est les Ivoiriens. C'est tous les Ivoiriens. Ils savent faire la part des choses. Et puis, on nous met tous dans le même panier. C'est vous. Donc, pleurez en groupe là-bas. Pleurez en global. Pleurez-vous tous là-bas, vous les quémandeurs, vous les rampeurs, vous qui avez vendu votre dignité là, allez-y pleurer en groupe, s'il ne venait pas nous embêter. Parce que celui qui a venu nous embêter là, on va l'allumer, oui. On va l'allumer pour lui dire son vrai nom au carré. On va l'allumer, on va mettre feu sur lui. On va mettre feu sur lui. Esprit d'escroc, esprit de rampant, esprit de quémandeur, esprit de vendeur de dignité. On met feu sur vous. On était assis ici, on vous regardait. Oh. On était assis ici, on vous regardait. Parce que quand on allait parler, on disait, ils sont jaloux. C'est la jalousie. Comme le roi 12-12 ne leur donne pas l'argent aussi, c'est la jalousie. Ils sont jaloux de Pierre, ils sont jaloux de Paul. On dit, on n'a qu'à laisser chacun faire ce qu'il veut. On est dans nos coins d'où on n'a pas encore fêté. On n'a pas encore fini de fêter la joie des éléphants. On n'a pas encore. C'est maintenant qu'on va fêter la joie. Vous sortez là-bas avec un buzz à la con. Avec un buzz à la con. Pour venir nous distraire ici. Pour qu'on puisse avoir tourné notre attention vers vous. Ou bien on vous a payé pour nous distraire.
On vous a donné l'argent pour que vous fassiez un buzz. Parce que quand on regarde ça, ça ressemble trop à un buzz. Ça ressemble trop à un buzz arrangé, c'est bizarre. C'est vu n'importe quoi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les éléphants viennent à peine d'avoir la coupe. Les éléphants viennent à peine d'être champions d'Afrique. Les éléphants viennent à peine de recevoir des millions des mains du président. Où on va les attacher un peu. Oui. On va les attacher un peu là. Vous sortez là-bas avec un buzz. On vous a payé pour créer ça ou bien? On vous a payé pour créer buzz ou bien? Où on va attacher le président de la CAF ou d'un FIF, je ne sais pas quoi, qui ne veut pas partir, qui là, si on dit n'est qu'à partir, dit papa. On va venir l'attacher un peu pour oui, un peu. Vous sortez avec loup buzz là-bas pour venir. On vous a donné du air ou bien quoi? Oui, on vous a donné l'argent. On vous a payé pour créer ça. Pour fermer la bouche, pour nous distraire, pour qu'on puisse tourner notre esprit vers vous. Pour ne pas voir clair dans ce qui est en train de se passer. Où on a dit, le monsieur doit démissionner. On ne comprend pas. Le monsieur doit démissionner. Le président de la CAF, on dit, doit démissionner. On a essayé un long truc. Un long truc. Vous sortez là-bas avec lourd. Lourd truc. Distraction, vous voulez nous distraire. On a vu dans votre jeu, vous voulez nous distraire. Vous touchez, vous prenez l'argent sur vous, vous mettez dans votre poche. Et puis vous êtes en train de distraire le peuple. De quoi parle le ce buzz là sans doute. Ce buzz de roi 12-12 avec Père Daloua, avec Apoutou, avec sa clique là, ça sort d'où? Non, non, parlons peu, parlons vrai. Ça sort d'où ça là? C'est quel genre de buzz ça? On va faire un mois de la CAN. On va être stressé. Pour dormir, on ne dort pas. Un mois passe. Où on doit se distraire. Venir voir tout ce qui se passe. Les à côté de la CAN. Ce qui s'est passé lors de la CAN. Qu'est-ce qui a réussi? Qu'est-ce qui n'a pas réussi? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qu'on ne doit pas améliorer? Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va venir créer pour pouvoir se distraire. Vous sortez loup buzz. Un arrangement comme ça pour venir déposer. Bah, je ne peux pas accepter ça. Ça, c'est un truc arrangé, ça. Ça, c'est un buzz à la con. Ça, c'est un buzz pour fermer notre bouche. Mais vous n'allez pas fermer notre bouche. Parce qu'on voit clair. Oh, vous n'allez pas fermer notre bouche. Parce que ça, là, c'est un buzz. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. De quoi parle le test? Si le roi 12-12 n'a pas donné l'argent à chose, comment on appelle, à comment ça s'appelle ça, là? Ah, Père Daloua. Père Daloua va aller faire lourd interview. Il va aller dire ça là-bas. Apoutou va venir mettre sa caméra pour avoir 13 000 personnes en live. 13 000 personnes en live pour parler de cette histoire du roi 12-12. Pour que tout le monde puisse avoir l'idée tournée vers ce buzz-là pour oublier tout de suite. Ce qui s'est passé à la CAN. Non, mais attendez. Non, c'est pas possible. Ah, c'est impossible. Ah non, 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 impossible. On a passé un mois. On a passé un mois pour la CAN. C'est aujourd'hui là, le président des présidents, Moro Farima, a donné là aux joueurs. On est venu s'asseoir pour critiquer un peu. On est venu s'asseoir pour parler. On dit le président là, il n'est qu'à démissionner. De quoi parle-t-il? C'est quelle distraction vous nous envoyez? Vous voulez nous distraire pourquoi? On dit on veut d'aider ou rien. On dit revoyez le truc. Vous nous envoyez buzz. On dit ils ont hué le président au stade. On veut faire un petit béret dedans pour lui donner conseil. On va appeler le président pour lui donner conseil. Le président vient t'asseoir te donner conseil. Vous ne nous laissez pas le temps qu'on va digérer pour venir donner conseil au président. Vous nous sortez un loup beurre du père du roi 12-12 qui n'a pas donné taxi au père Daloua. Nous, on n'est qu'à foutre quoi ça? On n'est qu'à foutre quoi ça? Il a dit, mettez le cœur, sécurisez ma vidéo là. Sinon, j'en vais aller sur l'autre, comment on appelle. Mettez ça, allez là-bas. Si ça va pas, on va aller sur l'autre page là. Par exemple, cette page, on dirait qu'il est fatigué. J'ai dit, le père Daloua,
dit que le roi 12-12, promesse qu'il a donnée au roi 12-12 là, le roi 12-12 n'a pas honoré sa promesse. Voilà Loubez. Apoutchou, comme il a la visibilité internationale, Apoutchou sort maintenant, ça en fait vidéo. Vidéo fait maintenant 13 000 personnes en live. Voilà vidéo maintenant, voilà buzz où tout le monde va se tourner vers ce buzz là. Oh, roi 12-12, oh, oui, le père d'Aloi, il a rampé, il n'a pas rampé. Pourquoi c'est bien fait pour lui? Nani, nana, tout le monde va se tourner vrou. On va oublier l'objectif premier. L'objectif premier, c'est le président de la FIF qui a dit qu'il a osé s'asseoir aux yeux et aux yeux de tout le monde pour nous regarder droit dans les yeux, dans nos narines, pour dire que lui n'est pas là pour gagner la CAN. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ce problème-là qu'on doit parler. Tu dis que tu n'es pas là pour gagner la CAN, que toi, on t'a pas élu pour ça. Maintenant, nous, content, tu es content pour quoi? Tu es content maintenant à cause de la CAN. Nous collier maintenant, nous soulevage. On veut parler de ça. Vous nous envoyez un buzz à deux balles. Buzz arrangé. Buzz de tu m'as promis ça, tu ne m'as pas promis ça. Mettez le cœur. Mettez le cœur, je ne vois pas, c'est bloqué. On va changer de jeu. Voilà, on va aller sur l'autre page là. Hein? Monsieur le président de la FIF, vous savez, vous ne savez pas faire. Vous avez voulu venir jouer gros qu'à nous. Oui, oui, oui. Ça dit que vous, quand vous parlez, et puis il n'y a rien. C'est vrai, le président, même quand il parlait, il a dit. Oui, parce que moi, j'étais devant la télé. Et j'ai suivi ça de près. Oui, oui, oui. Le président même a dit que son neveu, lui manque. Lui qui est décédé là, l'ancien. C'est-à-dire que si son neveu lui manque, c'est que toi tu es le neveu du président. C'est-à-dire que tout criage, on a été de crier là, c'est zéro quoi. C'est ce que le président dit que son neveu lui manque, lui qui est décédé là. L'ancien lui manque. J'étais assis douane, j'ai dit, mais ils ont les mêmes noms. Si l'autre était ton neveu, c'est que lui aussi c'est ton neveu. Le président. C'est que tout crier, on a été de faire là, c'est zéro. Une histoire de neveu. Donc, si on comprend bien, toi qui es là, tu es le neveu du président. Donc, ça veut dire que il y a problème. On crie pour rien. On crie dans le vide. On crie pour rien dire. Ça veut dire qu'on crie, il n'entend pas bien. Vous n'avez pas vu? Moi, j'étais devant. Il était fier. Il était fier. Il enlève le collier et donne au président. Le président aussi enlève son collier et donne. On était à téléphone. Ça veut dire que... Mettez le cœur. C'est une histoire de neveu. C'est une histoire de neveu qui se passe comme ça. Fafa. Donc, où on va venir maintenant pour briser bien le truc? Ah, pour tout ça, pour créer un buzz, pour nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire. Vos buzz que vous avez envoyés, vous n'allez pas nous distraire. Monsieur le Président, vous avez dit que vous, on ne vous a pas élu pour que vous puissiez gagner la CAN. Qu'on vous a élu pour plusieurs choses. Vous avez lancé ça comme ça aux yeux et aussi de tout le monde. Il faut voir toute la vidéo pour comprendre ce qu'il voulait dire. Ah bon, ils ont coupé. Je vais revenir après parce que je n'ai pas encore vu sa vidéo. J'ai vu la petite partie de la vidéo. Je n'ai pas encore, mais j'étais venu leur dire. Vidéo, je te salue. J'étais venu leur dire que le buzz qu'ils ont créé là, nous on n'est pas alléluia ça. Parce qu'ils ne peuvent pas sortir le buzz aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que le président a donné l'argent. L'argent.
Et puis à partir d'aujourd'hui, je vous apprends que le Nouchi, je vais parler le Nouchi, parce que le Nouchi est international. Dans cette histoire de Kana, le Nouchi, ils ont fait interview sur Nouchi. Dja Nouchi que vous voyez là. Dja Nouchi international. Et quand nous on s'exprime en Nouchi, que nous vous parlez mauvais français. Donc à partir d'aujourd'hui, le Nouchi, sur la plateforme de la Madre Francine Ba, sera le français numéro 1. Je vous préviens. Ça veut dire que si tu es venu sur mon. Sur ma. Il a me blessé. Si tu es arrivé sur ma page ici, que je parle le Nouchi, que tu n'as pas compris, ça, ce n'est plus à mon niveau. Parce que je vous dis, depuis que je suis devenu comme un champion d'Afrique, ils ont interviewé les gens qui parlaient le Nouchi. Le Nouchi est parti dans 170 pays. Oui. Donc, celui qui comprend, c'est ça. Tu ne comprends pas, c'est ça, c'est ton problème. Donc, c'est qu'il y a un mot, comment tout de suite, là, comment venir parler. Quand tu dis, c'est que j'ai te comment, ça veut dire parler, c'est que j'ai te comment tout de suite. C'est-à-dire que le président, lors de la remise des vœux aujourd'hui, a donné Dieu. Dieu veut dire là, l'argent quoi. Il a donné 1 million. Aux joueurs. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est là, on a été se frapper d'une manière, les supporters numéro 1. CFR, on n'a pas eu. Pikini, on n'a pas eu. Et puis encore, il s'appelle comment? Le capitaine là. Oh, comment je peux oublier le petit qui taille MS-50 là. Il s'appelle comment? Mettez le nom du capitaine. Lui qui allait faire lourd discours. Il s'appelle comment? Oh, pourquoi j'ai oublié le nom de ce. Les caissiers, tout ça, c'est pas eux, c'est lui qui allait faire jouer les alarmes. Gradel. Mas Gradel allait faire lourd discours. Il a remercié tout le monde, remercié. Gradel dit que non, c'est le président. Quand le président a mis poste, parce qu'ils étaient seuls, vous-même, vous avez gagné, on vous a gagné 4-0 là. On vous a gagné 4-0. Que non, les gens les ont abandonnés, personne, ils étaient seuls, sauf leur famille, nanani, nanana, c'était le poste du président, quand le président a mis le poste net pour dire que mes enfants, allez-y, tout ça, c'était la marmaille. La marmaille pour que le président doit augmenter l'argent qu'il va leur donner. On connaît tout ça, là. C'était la marmaille. C'était le président seulement qui a mis un poste. Et puis, dès qu'ils ont vu le poste, ils ont dit, ah, le président les soutient. Et puis, en même temps, ils ont commencé à se galvaniser. Ils disent, ils vont aller sur le terrain, ils vont faire mal. C'est faux, Mas Gradel. C'était pas que le président. Le président a fait sa part. Il y avait aussi des personnes aussi qui croyaient en vous. Oui. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ne croyaient pas en vous. Vous-même, vous voyez, 4-0, c'était lourd. On peut gagner déjà 4-0 comme ça. C'est normal. Toi, tu gagnes 4-0. Là, quand je viens te caresser, quoi, pour dire non, t'as perdu 4-0, on doit te dire que, merci, on devait crier sur vous. Donc, c'est parce que les gens ont crié sur vous, c'est parce que les gens ont dit vos vrais noms que ça touchait votre orgueil. Oui. Donc, reconnaissez aussi des personnes qui ont fouetté votre orgueil au point que vous avez dit que, ouais. Non, on va pas laisser l'affaire, on va se battre coûte que coûte, vaille que vaille, pour montrer aux yeux des gens que nous, on n'est pas des blackros. C'est tout. Pourquoi vous partez faire discours? Et puis vous félicitez seulement ceux qui vous ont soutenu et ceux qui vous ont donné cocotta pour que ça puisse rentrer dans vos congolais là. Vous, pour aller, je n'ai pas aimé la partie là. La partie là seulement, je n'ai pas aimé. Vous aurez dû dire que merci à la population ivoirienne. Merci à cette population-là qui se sont levées comme un seul homme, qui nous ont insultés et puis après qui nous ont soulevés. C'est ça, vous devez remercier. Heureusement que le président a repris derrière et puis l'a remercié. Oui, il a été très diplomate. Mais toi, Mas Gradel ou bien quoi là, tu as dit non que tout le monde nous a laissé. C'était nos familles. On était depuis que... Lourd discours. Et tu ne nous as même pas remercié, nous. Tu n'as pas remercié la population. Tu as remercié simplement, tu as vu seulement le côté négatif de la population. Parce que la population vous a lapidé à un moment bien précis. Vous étiez nuls.
C'est la vérité. Vous étiez nuls. Et sans la population qui était derrière vous comme un seul homme, sans cette population galvanisée derrière vous, sans cette population qui vous a donné de la gnaque, sans cette population-là, vous allez sortir zéro. C'est la population. C'est la population, celle qui vous a lapidé là, celle qui vous a mis en haut, oui, qui vous a galvanisé au terrain, qui vous a fait de telle sorte que vous avez eu confiance en vous, oui, 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 oui. Donc reconnaissez cette population là, oui, oui, oui. On ne peut pas être nul et puis ton parent va t'accepter. Quand tu es à l'école même, tu es nul, ton parent te gronde. Tu es au courant ou pas? Vous êtes au courant ou pas? Est-ce que vous êtes au courant? Oui, 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 quand tu sors de l'école, oui, du coq à l'âne toujours. Quand tu envoies, par exemple, ton bulletin à la maison et que tu n'as pas travaillé, est-ce que ton parent te caresse? Il ne te caresse pas. Il te dit la vérité. Il te dit, faut travailler. Si tu ne bosses pas, tu vas être des clochards dans la rue. Et puis lui, il s'en fout de ça. Il te parle, il te dit la vérité. Et ça fouette ton orgueil. Et ça te touche au plus profond de ta vie. Tu dis que tu as montré à ton parent de quoi tu es capable. Et puis tu bosses. Et puis tu étudies. Et puis tu fais tout. Et puis la prochaine, quand tu envoies ton bulletin, ton parent est fier de toi pour te dire que ah, ce que je t'ai dit là, c'est rentré dans ton oreille. Donc tu as travaillé. Tu as travaillé. Puis aujourd'hui, je suis fier de toi. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pas parce qu'on vous a grondé. C'est pas parce qu'on vous a dit que vous ne valez rien. C'est ce qui était ça. Que vous allez partir du lourd discours et puis oublier la population qui s'est levée. Il y a eu des morts. Vous êtes au courant de ça? Il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui ont perdu la vie pour vous supporter. Oui, oui, il y a eu tout ça là. Vous partez, oui, les gens nous ont. Vous êtes resté que ça. Sur ce que les gens vous ont vous insulté. Mais c'est normal, c'est légitime. C'est légitime. Vous avez cru que quoi? Quand vous allez perdre 4 à 0, et puis on va vous acclamer quoi? Chiche! Waouh! Hezele! Waouh! Carrément quoi? Carrément quoi? Dans le discours, en tout cas de base Gradel, dans son discours, j'étais l'enfant, peut-être j'ai sauté des paragraphes. Peut-être. Peut-être que j'ai sauté des paragraphes. Mais le discours de Max Gradel, là. Attends, j'ai cherché même discours de Max Gradel. Peut-être, est-ce qu'il a, attendez, discours de Max Gradel. Il va aller chercher ça. Mettez le cœur. Discours de Max, mettez le cœur. Ok, mettez le cœur, s'il vous plaît. Voilà. Il va aller prendre Bafla. On va écouter. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables Mesdames et Messieurs les Présidents d'institution, Mesdames du gouvernement, en vos rangs, garde, qualité, respective, un proverbe japonais dit que on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. C'est ça. Mettez le cœur. Et nous avons énormément appris au soir du 29 janvier, où nous perdions contre la Guinée équatoriale. La chose la plus forte, la plus difficile que nous ayons apprise, c'est que nous étions seuls face à notre destin. Nous étions pris entre le choc de la défaite et celui de la colère de nos supporters.
en dehors de nos familles, tout le monde nous avait tourné le dos. Plus personne ne cherchait à nous rencontrer, à nous appeler, ou même à prendre de nos nouvelles. Mettez le cœur. Monsieur Idriss Diallo nous demandait de garder la foi, de s'accrocher à la petite lueur d'espoir, de qualification qui existait. Avant de continuer, mettez le cœur. Vous êtes en train de dire, on veut Drogba, on veut Drogba, on veut Drogba, on veut Drogba. Mas Gradel, en train de vous dire, quand vous les avez jetés à la verdicte populaire, et quand vous, ils n'étaient pas bien, c'est monsieur Idriss qui est en train de leur parler pour leur dire, il y a encore de l'espoir. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Donc ça ne sert à rien de fatiguer vos neurones, ça ne sert à rien de vous fatiguer pour dire qu'on veut Drogba, on veut Drogba, on veut Drogba. On va reprendre la partie là. En fait, lors de son discours, il s'est arrêté à ça. Il n'a pas même dit aussi, oui, les supporters nous ont jetés, mais après, ils ont eu confiance. Ils sont revenus et ça nous a galvanisé pour que nous puissions avoir cette coupe-là. Il n'a pas mis les supporters. Oh, pourtant, dans ça, le supporter était comment on appelle le 12e. Le supporter était le 12e joueur sur le terrain. C'est ça le vrai point. Ma fille aime une révélation divine. Je te claque le bisou depuis ta position. Est-ce que vous comprenez? Mettez le cœur. Il n'a pas été diplomate. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça, c'est mon point mais de vue. Mais ce n'était pas évident. On va reprendre. C'est mon point de vue. Chacun est libre de comprendre à sa manière. Je reprends. Hein. On va faire pas à pas. Vous avez gagné. On est content, la coupe est restée chez nous à la maison, mais là, on va se couman quoi. On va se parler aussi. On a le droit aussi de se parler. Parce que aussi, on n'a pas dormi. Parce que aussi, notre ventre tournait. Parce qu'on a supporté. Parce qu'on a prié. Parce qu'on a gêné. Parce que aussi, voilà. Donc, quand vous sortez comme ça, que vous ne savez pas. Quand vous sortez comme ça, que vous ne savez pas rouler votre langue cette fois, nous on va mettre votre caméra pour vous dire que votre marmaille que vous êtes dedans, nous on a assis et puis on a vu ça. Parce que les gens sont en train de dire on veut Drogba, on veut Drogba, on veut Drogba, on veut Drogba. Vous êtes venu nous dire en soubrelle, en cachette que oui, 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 lui là, le jour que vous nous avez jeté à la vindicte populaire, là, il était là pour nous donner espoir King Solo. Donc lui là, écoutez bien, hein. Le langage est tourné d'une manière symbolique. Le langage est tourné d'une manière. Celui qui veut comprendre, il comprend. Celui qui ne veut pas comprendre, c'est son problème. C'est à ça qu'elle a. On y va. Aïe. Laissez-moi va berettiser un peu. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables mesdames et messieurs les présidents d'institutions, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, en vos rangs, garde, qualité, respective, un proverbe japonais dit que on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Et nous avons énormément appris au soir du 29 janvier où nous perdions contre la Guinée équatoriale. La chose la plus forte, la plus difficile que nous ayons apprise, c'est que nous étions seuls face à notre destin. Nous étions pris entre le choc de la défaite et celui de la colère de nos supporters. En dehors de nos familles, tout le monde nous avait tourné le dos. Plus personne ne cherchait à nous rencontrer,
à nous appeler ou même à prendre de nos nouvelles. Monsieur Idriss Diallo nous demandait de garder la foi, de s'accrocher à la petite lueur d'espoir, de qualification qui existait. Vous avez compris? Vous avez compris le jeu de mots? Oui. Oh, pourtant, hier, on a hué ce monsieur-là quand il rentrait sur le terrain. Les supporters qui étaient là ont dit on veut Drogba, on veut Drogba, on veut Drogba. En même temps, le lendemain, on doit vous faire comprendre. Quand vous nous avez tourné le dos, quand vous nous avez lapidé au moment bien précis, c'est ce monsieur-là qui nous a dit on a encore de l'espoir. Donc, vous, on veut Drogba là. On veut Drogba là. On n'est pas dedans. Lui là, on va nettoyer son image. Lui là, c'est comme ça ou c'est ça. Mettez le cœur, je ne vois pas le cœur. Lui là, c'est comme ça. Ben, c'est lui. C'est lui qui nous a dit il en a encore de l'espoir. Mais quand il dit ça, il parle d'une histoire de 4 à 0. Mais il ne parle pas. Après 4 à 0, qu'est-ce que les supporters ont fait? Après 4 à 0, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Quand le Maroc a fait de telle sorte que la Côte d'Ivoire soit qualifiée, les supporters ivoiriens se sont levés comme un seul homme. Oui. Et puis, ils ont été derrière leur équipe. Ils ont été derrière leur équipe. Oui. Ils ont soutenu les éléphants de Côte d'Ivoire jusqu'au dernier souffle, jusqu'à Las Caras. C'est parce que vous avez vu, par exemple, le monde, oui, derrière vous. Parce que ces mêmes supporters-là pouvaient aussi s'asseoir pour dire que non, ils vont s'asseoir, ils vont rien faire jusqu'à ce que si vous gagnez, vous ne gagnez pas. Ce n'est pas leur problème. Mais malgré qu'ils étaient fâchés contre vous, oui, malgré qu'ils étaient fâchés contre vous, ils sont revenus encore. C'est pour ça qu'on les appelle les supporters mazo. C'est pour ça qu'on les appelle des supporters mazo. Ils vous aiment quel que soit Alpha. Oui, oui, oui. Ils vous aiment. Ils ont été dessus. Ils ont été dessus. Il faut comprendre aussi ces supporters-là. Vous vous imaginez, vous partez au terrain et puis vos joueurs perdent 4-0 devant le monde entier. Vous avez voulu que ces supporters-là vous sourissent au visage? Non. C'est parce qu'ils ont été fâchés. C'est parce qu'ils vous ont montré que ils ne sont pas contents. Ils ne vont pas accepter ça. Qu'aujourd'hui, vous vous êtes battus comme des vrais éléphants et vous avez remporté cette coupe pour la Côte d'Ivoire. Mais l'argent qui rentre dans votre poche, là, est-ce que c'est le supporter qui mange ça? Oui, oui. C'est vrai, vous nous avez donné le plaisir, on est content, on est champion. Et ça s'arrête là. Parce que c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'image de notre pays qu'on aime. Mais l'argent que vous vous êtes assis là-dessus, et puis on vous donne les millions, 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 puis chacun va avoir sa villa, et puis va faire cela. Est-ce que nous, on mange dedans? On ne mange pas dedans. Donc le minimum de choses que nous, on doit recevoir dedans, c'est dire merci aux supporters. Merci à ceux-là qui se sont levés, qui nous ont supportés. Merci. Vous n'allez rien nous donner, même 5 francs, vous n'allez pas nous donner. Mais le merci, là, c'est très important. Merci aux supporters, là, c'est très, très important. Heureusement que je dis, le président de la République a rattrapé le coup en remerciant tous ceux qui se sont battus, supportés les éléphants. Le président a rattrapé le coup. Sinon, toi, Max Gradel, toi, tu es venu pour reprocher aux supporters de vous abandonner quelque part là-bas le jour où vous avez perdu une lourde défaite de 4 à 0. Vous, tu es venu. Tu as fait que des reproches. On vous abandonnait. Vous étiez seul. Personne ne vous appelait. Sauf vos familles. Mais c'est vos familles qui pouvaient vous appeler. C'est vos familles qui pouvaient vous appeler. Le président avait un discours limpide. Un discours de la mortée. Un discours clair. Un discours propre. Un discours où le président même dit à partir d'aujourd'hui. Il n'y a pas tant, nous sommes Ivoiriens, et ce mot m'a tué. Nous sommes Ivoiriens, ça veut dire Ivoiriens aujourd'hui, Ivoiriens demain. C'est ce que le président a dit.
C'est ce que le président a sorti de sa bouche. Oh, fa, fa, et puis il a déposé. On va continuer ton discours, petit. Vrai, vrai, là, hein. Peut-être comme tu t'en vas à la retraite, là. C'est pour ça que tu es en train de nous emmerder. Sinon, franchement. Tu t'es arrêté que sur ça. C'est pas normal. Mais ce n'était pas évident, monsieur le président. Et puis, il a eu ce message. Écoutez. Que vous avez posté. Ce message qui disait de ne pas se décourager. Et il dit, ce qui les a motivés, c'est le message du président. Le message que le président a mis pour dire, ne vous découragez pas. C'est ça qui les a motivés. On va toujours écouter. Vous aviez la certitude que la Côte d'Ivoire aura la CAN une troisième fois très bientôt. Ce que nous avons ressenti, ce n'est pas les mots du président de la République ou du chef de l'État. C'était les mots d'un père. Un père aimant qui donne de la confiance parce qu'il fait confiance. Ces mots ont été une véritable bouffée d'air frais pour chacun d'entre nous. Dans notre langage, on dit que vous avez créé quelque chose. Et je voudrais, au nom de mes camarades ici présents, vous dire merci. Merci pour ce que vous avez dit et pour le moment que vous avez choisi pour le dire. Monsieur le Président, ici présent dans cette équipe, nous avons des enfants issus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et nous avons montré à la Côte d'Ivoire qu'une Côte d'Ivoire unie est capable de beaucoup de choses. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans l'histoire de cette CAN, il y a plusieurs petites histoires. Vous connaissez celle de Haller, d'Adingra, de Kessier, de Aurier, du coach Faye, peut-être moins les histoires d'Evan Ndika, de Seko, de Nicolas, de Oumar, de Seri. On écoute, hein. Mais celle que nous avons tous en commun, c'est l'histoire d'un groupe de joueurs, d'encadreurs, staff technique, fédération, qui se sont retrouvés au fond d'un gouffre. Un groupe d'hommes et de femmes qui ont appris que pour assumer leur destin, pour faire face à leurs responsabilités, ils devaient compter sur un, sur les autres. Ils devaient saisir chaque nouvelle occasion qui venait avec beaucoup de discipline et de générosité dans le travail. Un groupe qui savait qu'il avait besoin du soutien de son président de la République. Du soutien de son président. Un groupe qui avait besoin du soutien de son président. Ça, tout ça là, c'est chic. Mais est-ce que j'ai entendu le soutien des supporters? Je n'ai pas encore entendu. On va continuer. Monsieur le Président, vous avez créé quelque chose de fort en nous. Notre responsabilité est de faire en sorte que cet esprit, ces valeurs soient préservées, transmises de génération en génération. C'est un héritage. Comme le président Idriss l'a dit, nous sommes votre commando. À vos ordres pour la prochaine mission, nous vous remercions. Voilà le discours de Gradel. C'est ça, hein? Voilà son discours. J'ai mis tout son discours.
Vous n'avez pas dit que j'ai sauté. Parce que j'ai écouté en live, mais j'ai dit, mais est-ce que j'ai bien écouté? Parce que j'étais là, j'ai bien écouté. Et là, je remets. En aucun moment, Mas Gradel, en aucun moment dans son discours, a parlé d'un instant des supporters qui les a galvanisés. En aucun moment. En aucun moment. Ça dit que c'est bien. On est d'accord que le président a tout mis. Ça, on est d'accord. Je ne parle pas du président parce que c'est normal qu'on donne les honneurs au président. C'est normal. C'est normal qu'on donne les honneurs au président. Parce que c'est le président des présidents. Il n'y a pas deux présidents. C'est le président le number one. Mais à aucun moment, Mas Gradel, dans son discours, il s'est arrêté simplement sur le fait que le jour qu'ils ont perdu, les supporters les ont abandonnés. Tout le monde a tourné dos. C'est sur ça seulement qu'il s'est arrêté. Il ne s'est pas arrêté pour dire qu'après que les supporters les avaient abandonnés, ces mêmes supporters-là sont revenus à la charge pour pousser leur équipe jusqu'à ce que l'équipe puisse gagner. Oui, sans les supporters, sans la force des supporters, les joueurs de Côte d'Ivoire ne pouvaient pas aller nulle part. Ils ont senti la ferveur, ils ont senti l'ambiance dans les tribunes, ils ont senti la chaleur humaine, ils ont senti beaucoup de choses. Ce qui a permis, oui, on va dire qu'ils sont allés. Ils sont allés, ils ont tourné, ils ont pris le truc, ils ont salué. Oui, on a tous vu ça. Ils ont salué, ils ont remercié, ça là, on a vu. Mais dans le petit discours là, où est le côté même, merci à nos supporters. Si Radio Mandé, ils ont affaire avec la Mandé. Oui. On va mettre ça sur le coup du... Non. Ils n'ont pas à faire. Je souligne quelque chose qui m'a... J'ai souligné quelque chose quand même. Oui. Je suis désolé. On est tous là, on regarde et puis il y a quelque chose qui t'interpelle. Et puis tu dis, mais c'est bizarre. Pourquoi ça? Pourquoi je n'ai pas entendu ça? Voilà, c'est normal. C'est légitime pour moi de pouvoir dire quand même. On n'a pas dit de nominer un supporter. Type, mais on dit de parler des supporters. On dit de parler de ceux-mêmes qui se sont levés. Même il y a d'autres même qui ont trouvé la mort en route. Oui, il y a d'autres qui n'ont même pas vu la fin même de ce match. Il y a d'autres même qui n'ont pas assisté jusqu'à la fin, qui sont partis, qui ont perdu des personnes. Quand on dit supporter, ça veut dire c'est tout le monde. Celui, je ne sais pas, juste que ça. Dans un discours, c'est pour ça que je dis le président, oui, le président de Prési, la personne, quand il est venu, il a englobé tout le monde. Et puis il a fait de telle sorte que c'était propre. Il n'a pas oublié une personne. Il a même bien galvanisé le tout. Mais toi, en tant qu'un joueur, qui sait que tu ne peux pas jouer sans les supporters, et que le supporter, c'est... la 12e personne qui se trouve sur le terrain. Oui. Le supporter, c'est la 12e personne sur le terrain. On ne peut jamais l'oublier. On ne peut jamais faire un discours où on entend de glorifier toujours le président de la FIFA, ou même les supporters, ou même la population veut qu'il n'ait qu'à démissionner. C'est lui qu'on met en avant pour nous faire comprendre que celui que vous ne voulez pas, là, c'est lui qui est bon. Par rapport. C'est pour ça qu'on dit que mais il y a un guise sous-roche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Vous ne voulez pas cette personne-là de la fille, mais sachez que c'est lui qui a fait ci. C'est lui qui nous a fait ça. C'est lui qui a fait ci. C'est lui qui est rentré ici. C'est lui qui est comme ça. C'est lui qui nous donnait des conseils. Quand vous, les supporters, vous avez refusé de nous soutenir parce qu'on a perdu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous qui êtes en train de dire, on veut Drogba, oubliez ça. Oubliez ça. Si Radio Mandé, c'est vrai, le discours était comme si il en voulait aux supporters. Non, c'est pas le discours était comme si ils en voulaient aux supporters. Vous voulez que je vous remette la partie? Vous voulez que je vous remette à partie, malgré l'effort, malgré tout ce qu'on a fait après, malgré tout ce qu'on a supporté après. Le truc
4-0, où on les a babougou, où on les a nyagami là, ils ont gardé ça dans leur cœur. Tout ce qu'on a fait après là, c'était vraiment. C'est ça que ça. Solange Okobe, non, c'est-à-dire. Tu, voilà. Solange Okobe dit non, non quoi. Faut non quoi, je sais pas. Faut faire une phrase pour que je puisse comprendre. Fatou la paix, la madre, c'est Idriss Diallo qui a écrit le discours. Je sais pas si c'est lui qui a écrit, hein. Excellence. On dit Max Gradel avait quelque chose à dire. Honorable, mesdames et messieurs les présidents d'institution, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, on vous rend garde qualité respective. On écoute, hein. Un proverbe japonais dit que on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Et nous avons énormément appris au soir du 29 janvier où nous perdions contre la Guinée équatoriale. La partie. La chose la plus forte, la plus difficile que nous ayons apprise, c'est que nous étions seuls face à notre destin. Nous étions pris entre le choc de la défaite et celui de la colère de nos supporters. En dehors de nos familles, tout le monde nous avait tourné le dos. Plus personne ne cherchait à nous rencontrer, à nous appeler ou même à prendre de nos nouvelles. Monsieur Idriss Diallo nous demandait de garder la foi, de s'accrocher à la petite lueur d'espoir de qualification qui existait. Mais ce n'était pas évident. Je vais juste vous poser une question. On va dire la madre, peut-être que... Je vais juste vous poser la question. Est-ce que ce moment de défaite était celle-là qu'on devait mettre dans un discours de joie en ce moment? Est-ce que cette partie-là valait vraiment la peine de clercir ou bien juste dit que pour dire au président que c'est grâce à cause du président, à cause du message du président que eux ont eu la force pour se lever, qu'on devait mettre ça ou bien c'est quoi? Est-ce qu'il fallait forcément ça? À part ça, tout le reste, tous les matchs, les supporters étaient présents, les supporters étaient galvanisés, les supporters étaient là. C'est pas une seule tâche. Un seul jour, sur combien de ballons, sur combien de matchs, ce jour-là, que ça s'est passé ou ça s'est mal passé, c'est ça qu'on va mettre dans un discours où tout le monde entier est en train de regarder pour dire que ce jour-là, oui, on s'arrête sur du négatif, sur quelque chose qui n'a pas marché. Oh, pourtant, on oublie le jour, les supporters qui se déplaçaient, qui partaient dans tous les recoins, qui partaient fêter, qui partaient tout, on a oublié tout ça. On prend que ça ce jour-là. Pour dire non que ce jour-là. Ce jour-là. Si le président n'avait pas mis un mot, et grâce au président, ils se sont levés. Moi, je ne sais pas si c'est Max Gradel même qui a écrit ce message ou bien c'est quelqu'un qui a écrit pour lui donner. Mais on ne peut pas écrire un message. Celui qui a écrit le message là pour donner aux joueurs, c'est même pas quelqu'un d'autre qui est en train de lire le discours. C'est un joueur. Ça veut dire que celui qui représente l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. L'équipe, là, nous, on est là pour supporter notre équipe nationale de football. On n'est pas là pour supporter les politiciens. Ça, c'est le match. Normalement, le sport doit se dissocier de la politique. C'est ça qui est le vrai point. Et nous, on va vous dire la vérité, Roa. Le sport, là, doit être dissocié de la politique. Donc, quand l'équipe nationale prend un discours pour s'adresser,
faut pas qu'il oublie les supporters. Parce que nous sommes là pour eux. Nous ne sommes pas là pour les dirigeants. C'est ça que le vrai point qu'on va vous dire là. Oui. Donc quand ils parlent, ils ne sont pas seuls à jouer le ballon. Quand ils jouent le ballon, il ne faut pas qu'ils oublient les supporters qui sont là. Comme un seul homme. C'est-à-dire comme un seul homme pour les pousser jusqu'au bout. C'est ça que le vrai point va vous dire ça. Partagez la vie, c'est ça, on va vous dire ça. Taguez-les-moi sur ma vidéo là. On va vous dire ça. Oh, ça a raté dans votre oreille. Si les dirigeants pouvaient aller s'asseoir au stade pour vous soutenir, même zéro pointeur, vous n'allez pas pouvoir jouer ballon. C'est la population qui s'est levée, qui a acheté des t-shirts de combien de millions, combien de mille, ils ont acheté des t-shirts malgré les maigres moyens. Et les maigres moyens ont acheté les t-shirts. Ils sont allés au stade tous les jours que Dieu fait, malgré la douleur, malgré la difficulté, malgré tout ce qui se passait, ils se levaient, ils partaient. Malgré que souvent il n'y a pas de ticket, ils restent même dehors pour regarder, pour entendre les bruits du match. Ils sont en bordure même du stade. Ils sont arrêtés là-bas, ils attendent. Oui, oui, oui. Ils sont arrêtés là-bas dehors. On refuse même qu'ils rentrent. Il y a d'autres même qui ont leur ticket. Ils arrivent, on dit ils ne rentrent plus. Mais ils sont assis devant là-bas. Droit. Et puis ils écoutent ce qui se passe dans le stade. Il y a eu tous les cas de figure ce jour-là. Donc, si aujourd'hui, vous faites un discours et que vous n'avez pas le discernement de prononcer les supporters, quand même, la moindre des choses. La moindre des choses, mettez un peu merci aux supporters ivoiriens, merci à nos supporters. Mais vous vous êtes arrêtés simplement, les supporters nous ont abandonnés. Mais vous ont abandonné, est-ce que vous avez bien joué? Ils vous ont abandonné là, vous les avez aussi humiliés? Reconnaissez ça? On était assis ici chez nous, d'autres étaient assis là-bas au terrain, vous les avez humiliés? Donc c'est normal qu'ils vous insultent. Aïe, c'est quoi? C'est ça qu'on ne peut pas vous dire. Hein? Quel gouffre. Attends, il va à la retraite, ok, d'accord. Je ne déplace pas le débat, il a seulement parlé de ce qui les a tirés du gouffre où ils étaient. Quel gouffre? Ils étaient dans quel gouffre? Ils ont perdu, on les a babou. Quel gouffre? Ils sont assis là-bas, on dit que ils aiment nous mettre dans des difficultés. C'est nous, on les avait demandé d'aller se mettre dans le gouffre. Parce qu'on ne veut pas parler, on veut doser. L'équipe de Côte d'Ivoire, c'est l'équipe qui met toujours les gens dans le gourmet. C'est là profond. Ils ont fini ça. Ma chérie, c'est pas Max. Il a fait lecture du gang de Dieu, mon cher. Moi, je l'ai vu. En train de faire, c'est pas qui a écrit pour lui donner. Comme il a fait seulement ceux qui étaient de l'enlever dans le gouffre. Quand eux-mêmes, ils savent jouer là. Et puis, eux-mêmes, ils savent se mettre dans le gouffre là. Ils ne voyaient pas ça. On peut imaginer une équipe qui toujours, c'est eux qui ont même gourmé aux gens. C'est-à-dire qu'eux, on les marque tous les jours. C'est eux qui doivent remuer. Tu es assis ici, ton ventre fait pour ton ventre, tu ne vas jamais t'asseoir ici pour dire que l'équipe là aujourd'hui, quand ils vont aller, ils vont gagner, ils vont quitter là. Ils doivent te mettre toujours que non, ils étaient dans le gouffre. Quand ils étaient dans le gouffre, ils ont remercié ceux qui sont dans le gouffre. Qui les envoyait dans le gouffre là-bas? Il fallait qu'on les tape, on dirait comme les tortues pour qu'ils puissent comprendre, pour venir bien jouer. C'est ça. Ils aiment toujours qu'on les secoue. C'est des mazos. Des joueurs mazos. Des joueurs qui ne vont jamais faire quelque chose qui est clean. Ils ne vont jamais jouer, puis ça va être chic. Un coup, il faut que toujours, ils doivent remuer le cœur des gens. Supporter mazos, on accepte, mais juste merci. Hein? Comment ils étaient dans le gouffre? Qui les avait mis dans le gouffre là-bas? Qui les avait mis dans le gouffre? Ils ne pouvaient pas aller jouer. Fini? Non. Il faut aller jouer. Ils vont recevoir 4. Kimura A.
Quel gouffre, ma mère, tu as. Mais quel gouffre? Vous n'avez pas remarqué que c'est eux-mêmes qui se disent. Ils aiment aller dans le gouffre. Ils aiment aller dans le gouffre. Quelqu'un qui sait jouer. Je ne les comprends pas. Des gens, ils savent jouer. Vous les voyez, ils savent jouer. Donc, c'est fini le stress, c'est fini. Non, 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 non. Faut, non, comme il y a une qui a laissé un commentaire pour dire non, que ils ont parlé de ceux qui, voilà, parce qu'ils étaient dans le gouffre. Hein? Ils étaient dans le gouffre. C'est ça, c'est qu'un gouffre. Eux-mêmes, ils aiment gouffre. Ils aiment, ils sont maso. Des gens, ils savent jouer. Ils savent jouer. Mais quand ils vont aller sur le terrain, là, vous allez les voir. On dirait même qu'ils ne veulent pas jouer d'une manière malin. Ils vont finir. Ils crient. Quand on les gagne, pour. Et maintenant, la tête, là, maintenant, se réveille. C'est des maso. Ils aiment ça. C'est des maso. 4-0, là, c'est petit à faire. Jusqu'à l'Ascara, c'est collé sur nous. 4-0, là, jusqu'à l'Ascara, c'est collé sur nous. Aïe. Si c'était chic, votre maro, cause masochisme, là, va se manifester. Tiana lui dit que si c'était... que si c'était chic, que si c'était trop chic, notre masochisme, voilà, c'est qui est ici, donc... Voilà, fait. Ils ont fait jusqu'à on a crédit sur nous maintenant. On a crédit sur nous. Crédit, mettez le cœur. Ça signale, hein. Ils sont en train de signaler là. Ça signale, oh. Voilà, à cause on a crédit ici. On a crédit jusqu'à vie. Ça veut dire que quand Maroc sort, tu Maroc, oh Maroc. Maroc. On a crédit de Maroc ici. On a crédit. Actuellement, on est en train de chercher bien d'avion pour aller au Maroc. Actuellement, on est en train de se préparer pour aller au Maroc. Ils ont fait qu'on a eu crédit sur notre tête. Crédit de Maroc ici, à Lascaras. C'est collé sur nous pas. On veut sauter ici. On doit envoyer un drapeau de Maroc pour sauter. On veut faire qu'on doit porter robe de Maroc. Ça dit que quand on parle de Côte d'Ivoire, puis troisième étoile, il y a Maroc qui est en bas. Ça dit que, il n'y a que de quoi gouffre. Et même si on les met dans, si on les met dans gouffre. Aïe. Chimène Rita, je te dis à la madre, voilà, enfin, est-ce qu'on peut plus faire, on peut plus rien faire. Voilà, nous, on a fait danser à faire des Maroc. Il dit que moi, mais ça, je cherche une copine marocaine. Quelqu'un, les gens, même quand je suis au travail, ils les dépassent. C'est bonjour, bonjour, quelqu'un. Bonjour et bonsoir. Depuis plus de 15 ans, bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, les enfants, ils sont allés chercher des camarades marocains forcés. Forcés. Je la salue, oh, je la salue quand ils arrivent au travail. Bonjour, ma chérie, ça va. Je souris, hein, elle, je souris. Souris large comme ça. Vous nous avez mis dans des sensations, dans des choses même que tu ne fais pas avant. C'est ça que tu fais maintenant. Camaraderie forcée, lourd camaraderie sur ma tête. C'est-à-dire le bonjour au bonjour. Aujourd'hui même, elle m'a écrit forcé. Je suis obligé, même quand ça fait 2 jours, je me lève pour lui dire bonjour aussi. Je suis obligé de la saluer forcée. Vous avez fait une camaraderie marocaine sur ma tête ici. Bonjour. Ma chérie, comment tu vas? Ma chérie, ça va chez toi? Bonjour. Tout, voilà. Elle m'a dit bonjour tout à l'heure. Je suis obligé de répondre bonjour. On vous parle. Eux-mêmes, ils ont cherché un problème pour donner aux gens. Loue amitié. Je suis dans loue amitié actuellement à cause de vous. Nous, amitié. Ah, ma collègue marocaine me dit, c'est pour la coupe. Moi ma camarade. Voilà, forcé. Toi aussi, voilà, il y a une camarade forcé. Camaraderie. On est assis par terre. Hein? Quand vous faites la chose, là, réfléchissez. Faut réfléchir un peu. Ah. Voilà, nous, on est assis. Ah. On est en train de réfléchir comment on fait pour arriver au Maroc aussi, pour aller les supporter, pour aller même chauffer la canne. Oui, on peut donner travail aux gens comme ça. Tu as venu, tu ne nous remercies même pas. Mmh.
Voilà l'eau, camarade. Quand la Côte d'Ivoire et le Maroc se croisent, j'ai mis un poste pour dire que quand je viendrai au travail, j'allais chercher ma copine marocaine. Elle est là, 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 là. Vive les éléphants! Vive les éléphants! Côte d'Ivoire! Côte d'Ivoire! Et Maroc, on est frères et sœurs. Voilà, qu'est-ce que tu en penses pour la finale? Franchement, rien à dire, vous méritez! Vous avez vu? Je vous avais promis quelque chose. J'ai dit. À cause de vous, voilà. On cherche cabalerie forcée. Hein? Ben oui. Vous sortez, vous ne remerciez pas les supporters. Maroc forcé, on est dedans. Hein? C'est quoi ça? Le Maroc comme sur nous des. Ben oui. On est foutu comme ça. Vous qui assis là même là, on est foutu comme ça. On est foutu. Actuellement, on parle, on a tête de réfléchir comment aller au Maroc. Les hôtels du Maroc. On va réserver Maroc. On va faire comment réserver hôtel. On va arriver pour commencer à sauter. Non, tu y as connu. Sira, tu m'as déçu. Hypocrisie de ça. Eh, notre Yako, on est dedans comme ça. Ah! Qu'on en vous sautez, au lieu de dire merci aux supporters qui s'en vont chercher camaraderie forcée, vends-moi de ça. Même pas merci. Même pas merci. Mais je dis, oh, vous qui êtes en train de vous tuer pour les joueurs, là, au lieu d'être fair play, là, vous avez vu, non? Ils ont donné 50 millions de maisons construites. Ils vont construire 50 villas, là. Villas de 50 millions. C'est une villa nickel. Si ta villa coûte 50 millions, c'est une très, très, très belle villa. 50 millions de... Sa villa est propre. Ça veut dire que s'il veut, il prend. S'il veut, il donne à sa maman. S'il veut, il donne à ses frères. S'il veut, il jette. S'il veut, il fait quoi? 50 millions villa. Ça veut dire que toi-même, tu es en train de travailler, il faut avoir 75 000 euros et des poussières pour aller faire une villa de 50 millions. Ils ont maison, ils ont tous 50 millions. Après, on leur donne 50 millions de l'argent. On dit, voilà, voilà 50 millions. Voilà, nous, on assis ici, on est en train de se frapper. Voilà, nous, ici, on est en train de s'insulter. Voilà, nous, 50 millions qui... Chantal Coré, tu n'es pas au courant. Oui, oh, tu n'es pas au courant. On a déjà donné les cadeaux. Ça, c'est le cadeau du président. C'est le cadeau. André, quand tu fais anniversaire, là, et puis on te donne cadeau là, c'est ça. Le président a donné cadeau. Cadeau 50 millions maison pour les joueurs, les 32 joueurs. Les 32 joueurs. Chantal Coré. Non, non, non. Ah, tu n'es pas au courant. Ah, faut t'asseoir par terre. Il va t'expliquer. Il va t'expliquer quand tu n'es pas au courant, que tu n'as pas regardé là. C'est en direct ici. 50 millions de maisons, de villas à chaque joueur. On dit sont 32 comme ça, chacun a 50. Donc il faut déjà calculer. Maison 50, plus 50 millions encore de jet. Ça veut dire que chacun a 100 millions. Maison plus jet, ça fait 100 millions. 100 millions multipliés par 32 personnes. Bayaï. Ça c'est pour les joueurs. L'entraîneur Faye. L'entraîneur Faye. Lui, il a eu 100 millions. 100 millions pour l'entraîneur Faye. Le seul. 100 millions. Bayaï. L'entraîneur Faye. Mes lunettes au cas. L'entraîneur Faye, là. Dans la bonne de staff, là. Je ne sais pas si on leur a donné. Dans la bonne de staff, là. On avait donné, on a 300 millions ou bien 400 millions au bonne de staff. Ils vont se partager. Hein, Faye aussi, ils vont partager. Et puis en même temps, Faye a 100 millions lui seul. C'est-à-dire que dans l'autre deal, il a pour lui aussi, puis il a 100 millions au CAN. Et puis ils ont donné 300 millions à qui encore là? Ils ont donné 300 millions. Non, là, qui est sorti là-bas, là. 400 millions, merci. 400 millions à chose, comment on appelle. Donc il a, dans 400 millions, il a pour lui aussi, il a encore un petit Djekoua là-bas.
Donc, Faye actuellement, quand ils sont 100 millions, encore 100 et quelques millions et des poussières. Au calme, au calama. Donc, on n'a qu'à penser à nous, hein. On n'a qu'à penser à nous. Donc, moi, demain, je travaille. C'était pour vous dire bonsoir. C'était pour vous dire bonsoir. Et aller chercher moi mes millions. Oui. Et m'a cherché mes millions. Et à partir d'aujourd'hui, je cherche mes millions. Oui, oui, oui. Oui. Et 300 millions la fille. Non, les cadeaux sont mérités, c'est normal. Faye mérite. Non, il mérite. Faye mérite. Hey, je n'ai pas dit, je dis, nous-mêmes là, on va aller chercher pour nous. Je n'ai pas dit qu'eux, ils ne méritent pas. Hein. Non, 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 non. J'écoutais bien. Eux, ils méritent. C'est leur cadeau. C'est leur pied. Ils sont allés jouer. Nous, on a supporté. On a supporté là. Nous, on va aller chercher pour nous. C'est ce que j'ai dit. On va aller chercher pour nous. Quoi. Ah, c'est ça. T'as compris? Allez, allons chercher. Donc, demain, moi-même, je travaille. Donc, il va aller chercher pour moi. C'est pas mieux. Dans la vie, chacun connaît. Chimène Rita, exactement. On l'a cherché pour nous. Oh. Yo. Chacun a ses problèmes. Hmm. Toi, tu veux t'asseoir là-bas? Les Amazon et Maguerre, c'était juste la petite vidéo. Pour vous dire bisous, bisous, bonne soirée. Bisous à vous, bonne soirée. C'était un plaisir de discuter avec vous. Voilà. On est sur cette semaine. Il y a la fille là. La fille qui est là là. Il dit elle est allée à l'hôtel avec un joueur. Elle a pris maintenant, je sais comment on appelle, chaîne de joueurs là pour mettre sur lui comme ça. Voilà, pour mettre sur elle, pour faire selfie, pour partager. Toi, tu as quitté, tu es allé gré un joueur. Et toi, tu as même maintenant sa chaîne au cou pour dire que tu as trop dormi à le jouer. Quoi. Allez, bisous, bisous, gros bisous, ciao, ciao. Dans le plomb, on est dedans. Bye, ciao, merci.